Salut à tous, c'est les Girac aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle série sur Civilization 5 Brave New World. C'est un petit peu, enfin je veux dire enfin cette nouvelle série parce que j'ai eu tellement de problèmes. D'une part c'était un problème avec l'encodage, à un moment j'avais un problème, enfin ça faisait des pixels de pas, enfin ça pixelisait à certains moments, donc j'ai dû supprimer cette série, enfin recommencer, et après quand j'ai recommencé, il y a des problèmes de droits d'auteur avec les musiques, et donc là peut-être que là vous entendez pas, enfin en tout cas c'est sûr que vous entendez pas, il n'y a pas de musique malheureusement, et je n'en mettrai pas non plus parce que ça me fait du montage supplémentaire et avec les vacances qui approchent et tout, j'ai pas vraiment le temps de faire de gros montages. Mais puis c'est compliqué aussi de trouver suffisamment de musique pour compléter toute une série complète, donc c'est sans que ce soit trop répétitif. Donc bon, et veuillez m'excuser pour cet aspect un peu sinistre, un peu vide. Mais écoutez, on va faire avec. Bon, bref, nouvelle série sur Civilization 5 Brave New World. On va prendre une civilisation, donc on va prendre les Zoulous. Civilisation quand même axée sur le militaire, sur une map Afrique, ça va changer un petit peu, en duel, avec un niveau de difficulté prince, une vitesse de jeu on va mettre en rapide, et on va mettre en option avancée, on va rajouter un certain nombre de civilisations. Voilà, donc on a rajouté 21, enfin 20 supplémentaires plutôt, parce qu'il y en avait deux à la base. On va supprimer les cités-états, on désactive le vecteur temps, le vecteur culturel, si on va laisser le vecteur culturel. Et voilà, on va lancer la partie, donc ce sera une partie fuel militaire cette fois-ci. Votre peuple s'agenouille devant vous, Chaka Zulu, grand guerrier et fondateur du royaume Zulu. Condamné à l'exil suite à la répudiation de votre mère, vous vous êtes néanmoins imposé comme le chef véritable des Zoulous, créant de nouvelles lois et réformes culturelles pour asseoir la domination de votre royaume. Plus que tout, c'est votre incroyable aptitude pour le combat qui a forgé votre réputation. Fin stratège et chef charismatique, vous avez révolutionné l'art de la guerre à travers les plaines de l'Afrique australe. Fabuleux guerrier, les Zoulous veulent retrouver la force et l'unité qui ont marqué votre règne. Pourrez-vous rendre à votre royaume sa puissance passée? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc voilà un petit message traditionnel visant à nous mettre dans le vif du sujet. Voilà, donc Chaka Zulu, donc c'est le royaume Zulu qui permet donc, enfin qui bénéficie d'un coup de maintenance et une idée de combat rapproché qui diminue de 50%. Et toutes les unités peuvent acquérir des promotions suivantes avec 25% d'expérience en moins. Donc on a donc de ce fait une armée moins chère et qui est promu beaucoup plus rapidement. On peut avoir les Impis qui remplacent les piquets, qui sont vraiment très efficaces, et les Ikanda, donc c'est pas une fin, c'est une caserne mais améliorée, voilà. Donc c'est pas non plus un iPhone. On n'est pas encore là. Bref, donc on commence là. Donc là on commence en plein milieu d'une plaine, apparemment. Ouais, c'est le cas. Écoutez, je vais prendre le risque de m'éloigner un tout petit peu, mais pour avoir une chance de capter en fait le cuivre. Voilà. Là, ici, nos guerriers, ben, on va leur demander d'aller explorer les plaines, tiens. On a rencontré quelqu'un. On va faire un monument historique. Et en technologie, on va prendre les... tout. On va faire direct exploitation minière. Mon objectif sera de faire d'abord la statue de Zeus. Donc je fais complètement l'inverse. Hein, d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, me connaissent bien. Et ils savent que je fais poterie, suivi d'écriture. Pour faire le plus rapidement possible la grande bibliothèque. Et ben là, cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Enfin, ouais, c'est quasiment l'opposé au niveau de l'arbre. Dans un esprit purement militaire. On a rencontré des gens. Alors, il y en a plein qui n'ont pas fondé encore leur ville. Tous ceux qui ont 4 ici, vous voyez, n'ont pas encore fondé leur ville. C'est peut-être l'occasion d'en profiter. Ah, ici, on a l'Arabie qui s'est installée. Bon, ce sera donc une. Ouais, c'est bon. Ce sera vraiment une. Ah, militaire. Une partie militaire. Qui aura pour objectif donc de conquérir la totalité des pays. Bon, je passe les messages des dirigeants parce qu'on les connaît. Si vous ne les connaissez pas, tant pis. Voilà, on a déclaré la guerre à l'autre, comme ça on a des ouvriers. Faut pas négliger non plus les ouvriers. Tour suivant.
Revoir. Allez, souris, vous allez me construire ici. Toi, tu vas aller par là. Hop. Ouais. Tiens, on va profiter pour. Voilà. Alors, on va faire des guerriers tout de suite. Hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Militaire, militaire. On déclare la guerre à tout le monde là. C'est industriel. Juste en profiter pour supprimer ça. C'est vraiment pour en fait faire une sélection naturelle dès le début. C'est-à-dire que. Voilà, on supprime les civilisations qui ont très peu de chances de fonder des villes. Comme les Incas par exemple. Là, on va faire quoi? Ah oui, donc on faisait la statue de Zeus, donc c'est le travail du bronze. Permettant ainsi de débloquer la Ikanda. À Ikanda, je sais pas comment on dit. Faut que je fasse la paix avec les autres. Ils veulent pas trop. Ils sont tous neutres ou. Ouais, il y en a, j'ai déjà un tempérament belliqueux, donc ça plaît pas trop. Falloir que je me calme un petit peu, enfin en tout cas faire un semblant de pacifisme, permettant ainsi de régler ce problème. Donc au début c'est très rapide, hein, je pense que vous connaissez, de toute façon ça fait 8 tours que ça a commencé, donc vous verrez que les 40 premiers, enfin en général ouais, les 40 premiers tours sont vraiment très rapides. Surtout que là en plus j'ai fait la. Moi j'ai fait une bêtise, j'aurais dû aller par là, c'est pas grave. Surtout que. Il faut que j'achète cette case là de toute urgence. Combien? 30. Ok. Pas être facile d'arriver à 30. On découvre. On va faire encore des guerriers. Tour suivant. Attaquer la Mecque. Faut faire attention. Hein. Faut vraiment bien avoir beaucoup. Enfin, faut vraiment avoir beaucoup de troupes. Parce que ça permettra ainsi de. Comment dire, de pouvoir. Enfin, le risque, c'est que tout le monde nous déclare la guerre après. Voilà, c'est un problème. Surtout que l'IA avait été mise à jour. Donc ça fonctionnait plus. Quand j'avais fait des tests de partie comme ça marchait, mais maintenant ça marche plus trop. C'est la fin. On nous déclare la guerre de partout. Vous voyez, ils nous ont piqué le cuivre, c'est pas grave. Hop, toi tu crèves. Là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à une suite. J'aimerais bien faire le tir à l'arc. Voilà, toi tu finis dans un tour, tu nous feras la statue de Zeus. Voilà, tu nous fais la statue de Zeus. Toi tu vas aller là, hop, tu vas commencer un petit peu à palper la zone. Ok. Ouais. Tu vas commencer un petit peu à regarder par là. Voilà, là qu'est-ce qu'on peut faire? Production, machin, 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 non. Puissance de combat. Oh, ça c'est bien. Puissance de combat accrue pour les unités rapprochées. J'accepte l'ambassade, ça fait toujours un petit peu plus de pognon, pognon, pognon. Peuple plus occupé, c'est moi, c'est très bien. Bah écoute, on va y continuer ici. Là. Ah oui, c'est vrai qu'on est en rapide aussi, c'est pour ça que ça va aussi vite. Pour la. C'est très bien parce que j'ai pas envie non plus de faire une partie qui s'éternise parce qu'après ça fait 20 épisodes et c'est vraiment très long. Et j'ai pas non plus une endurance vraiment très. Enfin, j'ai toujours été très rapide dans ma tête donc. Voilà, il faut. Il faut que ce soit rapide sinon je vais m'ennuyer. Opération coup de poing. J'ai pas regardé l'heure, tiens. Ouais, ça fait 5 minutes on va dire. Je vous fais cadeau s'il y a eu du temps en plus. Ici il y a des barbares, je sais pas comment ils ont fait pour spawn mais. Ils sont pas très doués. Voilà, on profite, on gagne de l'expérience. Tour suivant. Non, oui, eux, ils ont fini. Ouais, au revoir. Niveau nourriture, c'est plutôt pas mal. On va essayer de se concentrer sur la production. Toi, tu vas faire terrain. Dégagé. Tu vas aller par là. Il y en a qui se sont fait piquer leurs colons. Ils sont pas prêts de les retrouver, je pense, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a de l'argent, c'est bien. On va pouvoir acheter des cases ici, en l'occurrence. Tiens, on va acheter les chevaux. Peut être très pratique les chevaux, faut pas les négliger. Toi, tu vas me faire une mine, voilà. Parce que j'ai vraiment besoin de production là, pour le coup. Donc on est vraiment au nord de l'Afrique. D'accord.
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tiens, c'est assez intéressant. Bah écoute, on va aller direct jusqu'à l'administration. On va rusher l'administration. De toute façon, c'est ce que l'ordinateur fait, hein. Il va de toute vitesse à l'administration. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Faut que je fasse la bibliothèque aussi. Ah, il y a un camp de barbares ici. On a rencontré les Allemands. Voilà, toi tu vas aller par là. Est-ce que l'argile dit... Là, il y a Istanbul. Ok, ils ont acheté des cases. C'est impressionnant quand même. Ah oui, il n'y a pas la grille. Alors attendez, je vais mettre la grille. Parce que j'aime bien moi la grille. Ouais, c'est bon. Bah voilà, garnison, ça donnera du bonheur, ce qui est plutôt pas mal. Il va où celui-là? Ah bah il va chez moi. Ok, il fait du commerce avec moi, ce qui est plutôt pas mal. Moi aussi, il faudrait que je m'y mette au commerce. Tour suivant. Bon là on finit la statue de Zeus et après on commence les troupes pour aller attaquer hein, quelqu'un. Toi pareil, tu construis une autre mine. Toi tu vas aller là, j'ai besoin de soigner mes troupes. Qui est prudent? Bismarck. Voilà l'écriture, on a découvert, maintenant on va faire drame et poésie, ça va aller vite. Accepter des ambassades. Ah bien. Donc nécessite la doctrine honneur, ouais, puissance de combat, plus 15 pour toutes les unités lors de l'attaque d'une ville. Vraiment très pratique. On va faire quoi là, vite fait? Ah bah tiens, le temple d'Artémis, parfait. Peut-être ça fait peut-être un peu beaucoup de merveilles. Non, je préfère pas, ça risque de faire trop de culture, après on risque d'avoir une victoire culturelle. On va éviter. De toute façon, mon objectif c'est de faire la guerre, c'est pas non plus d'avoir toutes les merveilles du monde. Même si je sais que certaines merveilles sont vraiment très utiles. Devant la muraille de Chine. Voilà, on a fait la Ikenda, maintenant on peut produire des unités. Elle a fait la grande bibliothèque. Ok. On va juste vite fait faire. On va commencer. Tiens, on va faire des archers, c'est plutôt pas mal les archers. Ici, tu vas nous continuer de nous faire de la nourriture, il nous faut de la nourriture en masse. Après, on sera tranquille. Faudrait que je fasse la carrière aussi, il faudrait que je fasse la maçonnerie. Ça permet. Enfin, c'est pratique, ça fait toujours du bonheur en plus. Alors, on va faire dégager. Voilà. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller par là. On va commencer un petit peu à regarder de son côté. Pareil ici. Tour suivant. On garde des liquidités au cas où si on doit acheter des troupes. Ah ça c'est bien. Construction beaucoup plus rapide de tout ce qui est caserne et tout. Ça c'est bien, ça fait de la production aussi. Là ici on va faire dégager et on va bouger toi. Toi tu vas rester ici. Et à la place on va faire encore... Là on va faire une bibliothèque. Tour suivant. Quand même une petite pause. Toi, hop. Bien, on est dans l'ère classique. On fait partie des trois. Ouais, on est. On est trois dans les trois premiers, quoi. Donc, on est troisième. C'est plutôt pas mal. Pour les débuts. De toute façon, le début, c'est vraiment très proche, les scores. Donc, ça veut strictement rien dire, mais. Ensuite, on va faire
Le grenier, est-ce que c'est utile? Ouais, ça va vraiment être exponentiel niveau croissance de la démographique. Avec ça. Je fais pas d'ambassade avec eux parce que je vais leur déclarer la guerre à l'avenir. Donc j'ai pas du tout envie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire des lanciers. Plutôt pas mal les lanciers. J'espère qu'on aura du fer. Pour être pas mal, le fer. Sinon on va devoir se contenter des piquiers. Enfin des impis. Ça par contre ça risque d'être pas très coucoule. Coucoule. Ouais. Bah, voilà, donc ça nous a permis, grâce à l'Ikanda, on peut faire le poitrail de buffle. Qui permet donc d'avoir un bonus en terrain dégagé et aussi de la défense contre les unités à distance. Donc ce qui est plutôt pas mal. On va faire ça. C'est plutôt toi, tu vas aller là, par exemple. Toi, tu vas plutôt aller là. Et on va continuer encore avec le truc du buffle là. C'est très bien. On va faire d'autres lanciers. Toi, tu vas te mettre là. Tour suivant. Là, mon objectif sera de lui déclarer la guerre. Il faut vraiment que j'ai plein de troupes pour assurer ma défense parce que c'est pas facile en fait. C'est vraiment. Faire la guerre, c'est quand même. Quand même, il faut. Enfin, faut vraiment être sûr de soi quoi. Vraiment avoir une puissance. De quoi résister à l'attaque de tous nos voisins. Ce qui est quand même assez risqué. Enfin bref, on continue, on continue. Le problème c'est que je suis en déficit maintenant. Ouais, j'ai trop produit. J'ai produit trop efficacement. On va faire une écurie, on va essayer de se calmer. On va faire la guerre parce que la guerre ça rapporte des sous. Donc hop. Voilà, t'es pas content, sans blague. Tiens, toi t'attaques. Toi tu vas là. Allez, on commence, on attaque aussi. Hein. Hop, hop. Toi tu vas là. Tour suivant. Normalement sa ville devrait tomber assez rapidement. Voilà, grâce à l'appui, on va faire ça, ça, ça. Eux, ils sont là en renfort au cas où si besoin est. Vous allez aller là. Et toi, voilà, c'est bon, il est à la ville est à moi. Très rapide. J'appelle ça une attaque éclair. Voilà. Au tour suivant, elle est à nous. Voilà. Et on va en faire une ville fantoche. Par contre, tout le monde va me détester. Voilà. On est belliciste. Ah, les Ottomans, ils aiment bien. Ils nous aiment bien, par contre. D'accord. Avoir deux villes peut être très pratique. Bon, même si pour l'instant je vais attendre qu'elle se calme un petit peu, parce que là c'est un petit peu la révolution. Mais c'est surtout permet d'avoir beaucoup de cuivre. Plutôt pas mal. Toujours une ressource pour le bonheur. À ne pas négliger. Voilà, choisir une construction. Ici, on va faire le cirque. Parce que, ils sont pas très contents, les gens. Toi tu vas nous faire le truc du buffle, toi tu vas nous faire terrain dégagé plus plus, voilà. Toi tu vas réparer ce que j'ai cassé. Et toi tu vas te soigner. Tour suivant. Là je les vois, ils se rapprochent de moi avec des troupes là, ça commence à devenir un peu suspect. Suspect, suspect. Bon, j'ai un ici un truc, voilà. On va se mettre là au cas où. Faut que je fasse une route. Ah, ils nous ont dénoncé. Ça y est, ça va fuser les dénonciations là de partout. Toi, tu vas aller là. Tu vas réparer ça. Choisir une construction. Tu vas nous faire un. Une catapulte. Tiens, ça pourrait être pas mal si j'ai plus de sous. Faut absolument que j'aménage les mines de cuivre là. Rapporte de l'argent, le cuivre, ouais, c'est ça, ça rapporte des sous. Et que je fasse la maçonnerie. La maçonnerie. Ah bah ça y est, il n'y a plus de. Ouais, je vais l'annexer. Je vais profiter juste pour.
Faut faire le tribunal. On va faire le tribunal. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas t'avancer un peu. Le prochain sur la liste, c'est Pékin, je pense. Ouais, c'est la prochaine. Pékin, Pékin. Toi, tu vas rester là. Faut plutôt rester prévoyant. Attila, il doit bien m'aimer parce que lui, il est très belliciste aussi, donc pas trop un souci. Toi, tu vas aller là. On va faire dégager, hop, et on va l'approcher comme ça. Toi, tu vas nous faire ça. Avant que j'ai plus de sous, parce que ça va très vite. Ici, on va continuer, on va faire peut-être des cavaliers, tiens. Ça va être pas mal, les cavaliers, ça se déplace vite. À la rigueur. Mais c'est pas très efficace contre les villes. Bon, c'est pas bien grave, ce sera plus pour éliminer les troupes ennemies. Voilà, bon écoute, on va continuer. Hop, on a fait la monnaie dans un tour. L'idéal serait qu'on fasse. Enfin, dès qu'on a fini on en est à. Attendez, on va voir ça. Monnaie, guilde et après. Ah non, c'est direct à administration là. Bah, c'est très bien, dès qu'on a fini administration, au moins on est tranquille quoi. Parce qu'administration, on pourra avoir des impies. On va faire dégager le terrain et toi tu vas aller te balader. Tiens, par là. Hop. Pour un peu espionner de ce côté-là. Ici, on va faire un Petra. Ah, pas mal, Petra. Ouais, j'y tiens à Petra parce que ça permet quand même de d'avoir beaucoup plus de production et de nourriture. Donc ça, j'accepte. Surtout que ça représente quand même pas mal de villes. Dans ce cas-là, l'idéal serait d'acheter cette case. Vu que... Enfin, faut profiter des cases désertes, quoi. Tout simplement. Alors, on peut pas raser les capitales, hein. C'est pas possible. Donc résultat, toutes les villes qui sont là, sauf elles, Cracovie par exemple, donc celles qui ont été créées en plus, voilà, toutes les autres ne peuvent pas être détruites, quoi. Donc c'est quand même, on est obligé de les garder les villes. Donc on peut pas se dire, je garde ma capitale pour le bonheur et tout. C'est beaucoup plus contraignant. On commence à avoir un endettement monstre. Je vais pas tenir plus de 8 tours comme ça, donc va falloir faire quelque chose. On va construire dans les plaines la route. Ah, l'armée en terre cuite aurait été pas mal. Va profiter pour faire des mines. C'est les troupes qui coûtent cher. Réclame de la soie. Il y en a là, parfait. Parfait, on a fait Petra. Ce qui fait qu'on a... Ouais, niveau production, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Ce qu'il faudrait... Ah oui, on a, en plus, on a ça maintenant. Bah écoutez, on va avoir... À Istanbul. Istanbul, c'est nos amis, on va faire ça, hop. Comme ça, on commerce avec eux. Ça réduit un tout petit peu notre déficit, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? On va faire une caravanserai là. Ah non, le marché c'est mieux, c'est beaucoup plus productif en argent. Donc on va plutôt faire ça plutôt que le caravanserai. On verra plus tard. Enfin, je sais pas comment ça se dit, c'est atroce. C'est imprononçable ce truc. Non, pas tout de suite, pas tout de suite la guerre. Ce que je veux, c'est. Tiens, on va exploiter là-bas. On pourra peut-être commercer avec Istanbul. Ouais, on va commercer avec eux. C'est ça qu'il me faut absolument que je développe le cuivre. Si on leur donne du cuivre, ils nous donneront un peu d'argent. Permettra de payer un petit peu notre dette parce que pour l'instant, c'est un peu rude quoi. Bien, on a passé d'âge, on va pouvoir améliorer tout ça, il nous faut de l'argent.
On va faire la maçonnerie parce que j'ai besoin du marbre. Le marbre, pareil, on pourra l'exporter vu qu'on en a trois. On pourra en profiter. Est-ce qu'il y a des gens enthousiastes ici à part. Ah, il y a lui aussi qui est enthousiaste. Thank you, Madame Bidel. Goodas. Goodas. Bon, il a refusé, c'est pas grave. Je lui fais une demande d'amitié, mais il a pas trop voulu. Enfin, on s'en fiche. On va faire un caravan machin. Toi, tu vas aller là. Tu fais dodo. On pourra attaquer ça direct comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. On a un petit plan à exécution. On va faire quoi là? On va aller jusqu'à imprimerie. Voilà, on se fixe des petits objectifs comme ça. Ou du fer, c'est plutôt pas mal ça. Je m'en fiche du libre passage. Est-ce que t'as plus de fer? Parce que. Ah non, t'en as qu'un. Ah non, ça m'arrange pas du tout. Je te propose. Tu peux. 20. Je te propose 6. On va commencer par 8. Okay. 7. Bien. Commencer à payer notre dette. Hop, on va faire du marbre aussi. On a besoin de marbre. Même si tout le monde a du marbre. Il y a des guerres qui se profilent. Ici, alors maintenant qu'on a fini avec tout ça, on va pouvoir faire. On va faire aussi une Iconda comme ça pour produire des unités. Ce sera déjà ça de fait. Alors ça j'accepte pas. Voilà, c'est bien. On va se refaire un peu de sous parce que pour l'instant c'était un peu dur. Tiens, voilà, là, toi, Istanbul. Échanger cuivre. Ah, bah oui, mais j'en aurais plus pour moi après. J'ai déjà donné toutes mes réserves de cuivre. C'est pas grave, on va te donner autre chose. Enfin, quoi que non, j'ai rien d'autre à donner en fait. Ok, pas très pratique. On y va. Hop. Va falloir que je commence un petit peu à. Hop, voilà, on a des impies, ça commence. On va tout améliorer, on va en profiter. Tiens, toi, tu vas aller là, tu vas construire ça. En suivant. Ça fournit de l'or, c'est plutôt pas mal. Voilà, toi, tu te rapproches de la frontière pour mettre un peu plus de pression. Toi, pareil, hop. On met de la pression. Tout, 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 tout. On va faire ici le Colisée. Oh, Colisée, Colisée. Ouais, ton offerte elle est pourrie. On va faire 7. Ouais, attends. Niette? Ouais, c'est ça. Voilà, tiens, bon, 5 j'accepte. C'est vraiment parce que j'ai besoin de sous. Voilà, il y a là aussi. On va faire des impies. On va en profiter pour le rapprocher après. Faudrait que je l'échange avec lui. Faut que j'améliore ça aussi. On va faire. Des marchés, pareil, j'ai vraiment besoin de sous. J'ai besoin de thunes. Tiens, là, parfois, on va faire un truc composite. Toi, tu vas aller là-bas. Tour suivant. Faut absolument qu'on fasse la guerre à Pékin. Il a fait la muraille. On attaquera en dernier, c'est pas grave. Voilà, toi, tu vas t'avancer jusque-là. Toi, tu en profites pour. On va profiter pour t'échanger, on va t'améliorer aussi. C'est combien l'amélioration? 35. D'accord. D'accord. 35. Toi. Toi, tu dis. Voilà, bah toi, tu vas aller là. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais bien acheter celle-là,
plutôt que celle-là. Celle-là est beaucoup plus utile. Il y a des moutons. Regardez, il y a des moutons, quoi. Là, il n'y a rien. C'est pourri. Ils sont tordus, mais c'est pas grave. On va faire d'autres impies. Enfin, je pars en dessous après. On va faire ça. Toi, tu dors. Tour suivant. Hop, toi, tu produis ça. Toi, hop. Il y a des religions qui commencent à se créer. De toute façon, il peut y en avoir que deux. C'est qui comme arène? Tiens, j'ai pas regardé. Je m'en souviens plus quelle arène ils ont pris pour. Wizaitan, ok. D'accord. Quand même beaucoup plus logique. Enfin, c'est logique qu'ils apprennent, c'est vrai qu'il était. Enfin, bon. On va pas polémiquer sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Je sais pas du tout quoi faire. On va faire l'aqueduc. Pas besoin de troupes pour l'instant. Besoin surtout d'améliorer ce que j'ai. S'il faudrait que je vire tous les guerriers là. Ça sert à rien ceux-là. Coûte cher pour rien. Ouais, coûte cher pour rien. Il faudrait que j'en vire. Mais bon, c'est pas grave. On va les laisser quand même. On va l'aménager ça là-bas. Toi, tu dors. Bon, on va aller l'attaquer tout de suite. C'est bon, c'est parti. Voilà. Toi. Hop. Voilà. Tour suivant. Ouais, il me dénonce ou là j'ai peur. Mon Dieu. Les marques. On va voir qui. On va voir dans la démographie. Ah oui, je suis quand même bien placé. Produit manufacturé, PNB, territoire, soldat. Ah ouais, plutôt pas mal. Il y a qu'en récolte où c'est un petit peu moyen, mais bon, c'est pas. Ça va être réglé très rapidement. Toi, tu vas me faire dégager. On va. Toi, tu vas t'avancer déjà. Ce serait l'idéal, mais il faudrait que je fasse ça après en fait. Voilà, toi tu vas aller là. Toi, tu vas t'avancer aussi. Toi, faudrait qu'on s'avance par là. Tiens, voilà. On a presque plus de troupes déjà. Enfin, on a presque plus de troupes. C'est un peu limité, quoi. Toi, t'as fini. Bah écoute, tu vas aller par là, construire là. Après, il va falloir qu'on se débarrasse de toi, parce que, un, ça suffira très largement. Toi, pour l'instant, tu attends. Préférable, et toi aussi tu attends. Tour suivant. Non, tu vas nous faire un champ. Pas besoin d'or pour l'instant. Ah tiens, mon téléphone a vibré. Ah bah falloir qu'on s'arrête aussi bientôt. Ah. Saleté de schéma. Qui m'a envoyé un SMS. Ah, c'est la banque. J'ai 1 € qui s'est volatilisé de mon compte comme ça. Moins 1 €, je sais pas du tout d'où ça vient. Enfin bref, faudrait que j'attends mon relevé. Ok, je parle de ma banque, c'est super. Enfin bref. Où est-ce que j'en étais moi? Ah oui, donc ça se passe bien. On va juste en profiter. Ici tu poses ta tac. Pas grave, quitte à perdre ça. Toi tu t'avances aussi. Toi tu vas là. Toi aussi tu vas t'avancer comme ça. Toi il faudra que tu dégages parce que franchement tu me saoules. Je sais même pas ce qu'il fout là, l'autre là. Toi tu meurs. Pas besoin de toi. Toi tu saccages ça violemment. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Dans une construction. On va faire compagnie des Indes orientales.
Monument historique, tour suivant. C'est un peu tôt, hein, parce qu'on est qu'en 470 après Jésus-Christ pour la Compagnie des Indes orientales. C'est pas. Ah oh, mince, ils ont visé direct mes catapultes. C'est pas grave. Ouais, quand même plus intelligent qu'avant, l'ordinateur. C'est pas grave. Mais casse-toi! Pourquoi il se met entre moi là? Tu veux que je lui déclare la guerre aussi? Bah allez, on y va, allez, hop. La machine est en route, quoi. Allez, toi t'attaques ça, on y va. Toi aussi, je veux que tu t'avances là. Lui il me saoule aussi là. Ils sont sérieux quoi? Allez hop, toi aussi tu me saoules. Toi tu vas construire ça. Toi. Pareil, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Regarde, il me saoule là, il est au mauvais endroit quoi. Là pareil, mauvais endroit. Là, on va aller là juste pour explorer, mais ça sert à rien. Ce qui fait qu'ils vont bombarder et... Bon, ça va, ils ont bombardé n'importe quoi. Mais... Ils ont pas pensé à l'avenir, c'est pas grave. Voilà. Lui aussi, il me saoule, là. Regarde, j'aurais pu mettre là, quoi. Sérieux. Elle est bien défendue parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, elle est très mal placée en fait, la ville. Donc... Résultat, ça agit tout de suite, quoi. Voilà, hop. Puis là, on va se soigner tout de suite. On va faire ça et ça. Voilà, parfait. Comme ça, on a récolté en plus en promo. Ah oui, c'est vrai que j'ai un guerrier là, un truc illustre, là, je sais pas quoi là. Toi, tu vas me construire des impis. Toi aussi t'as fini, bah je vais en garder un et toi tu vas aller là par exemple, toi tu mourras dès que tu auras fini. Dodo, tour suivant. On lui fait mal à la ville, faut que je profite pour réalimenter en troupes en fait. Faut que je réalimente en troupes le plus rapidement possible. Voilà, construction, on va faire des impis en deux tours, parfait. On va réacheter des impis. C'est tout ce que je peux faire. Hop, parfait. Et tour suivant. Ouais, vas-y, fous-moi la paix. Non, je refuse son traité de paix, pauvre idiote. Et encore quand je dis pauvre idiote, je suis gentil parce que j'allais dire pauvre conne. Enfin bon. Oui, toi tu vas aller là, toi tu crèves. On fait des économies. Dodo, toi. Est-ce que je le sacrifie? Allez, on le sacrifie. Très mauvais ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, comme ça. Ouais, bah, le temps qu'il arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'on maintient ici, on bombarde, c'est voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Toi, tu te soignes. Résistance. Ouais, contre les unités à distance, parfait. Tu attaques. Tu attaques, c'est très bien. On lui fait très mal. Voilà. La ville va bientôt tomber. Toi, pareil, tu vas suivre le même schéma. Non, tu vas aller plutôt par là. On va s'introduire par là. On va continuer à faire des impies, surtout qu'on a masse d'argent. On a un revenu complètement abusif. Le peuple est plus bedonnant. C'est pas moi en tout cas, mais c'est pas grave. Je suis bien classé aussi. Voilà, là on attaque. Et là, ici. Ah mince, on n'a pas la ville encore. Prochain tour, ce sera bon. Très bien. On va ici faire hop, des mines. Toi, tu vas aller là, tu fais dodo, tu vas bombarder, on attaque. Puissance du buffle et
la ville est à nous. Ville fantoche, les gens vont nous détester par contre. Surtout qu'on devient maintenant une super puissance, donc falloir se méfier. Les attaques risquent d'être rudes. Le prochain, ce sera lui. Ogonaga, là, je sais pas quoi. Onondaga, plutôt. Onondaga. Ok. Je suis très doué avec les noms, moi. Puis on va s'arrêter là. Bah écoutez, pour le premier épisode, c'est plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. À plus. Et promu beaucoup plus rapidement. On peut avoir les Impi qui remplacent les Piquiers, qui sont vraiment très efficaces. Et les Ikanda, donc c'est pas une fin, c'est une caserne mais améliorée. Voilà, donc c'est pas non plus un iPhone. On n'est pas encore là. Bref, donc on commence là. Donc là, on commence en plein milieu d'une plaine, apparemment. Ouais, c'est le cas. Écoutez, je vais prendre le risque de m'éloigner un tout petit peu, mais pour avoir une chance de capter en fait le cuivre. Voilà. Là, ici, nos guerriers, bah, on va leur demander d'aller explorer les plaines, tiens. On a rencontré quelqu'un. On va faire un monument historique. Et en technologie, on va prendre les... tout, 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 tout. On va faire direct exploitation minière. Mon objectif sera de faire d'abord la statue de Zeus. Donc je fais complètement l'inverse. Hein, d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, me connaissent bien et ils savent que je fais poterie, suivi d'écriture. Pour faire le plus rapidement possible la grande bibliothèque, bah là, cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Enfin, ouais, c'est quasiment l'opposé au niveau de l'arbre. Dans un esprit purement militaire. On a rencontré des gens. Alors il y en a plein qui n'ont pas fondé encore leur ville. Tous ceux qui ont 4 ici, vous voyez, n'ont pas encore fondé leur ville. Donc c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Ah, ici on a l'Arabie qui s'est installée. Bon, ce sera donc une... Ils sont tous neutres ou... Ouais, il y en a, j'ai déjà un tempérament belliqueux, donc ça plaît pas trop. Falloir que je me calme un petit peu, enfin en tout cas faire un semblant de pacifisme, permettant ainsi de régler ce problème. Donc au début c'est très rapide, hein, je pense que vous connaissez, de toute façon ça fait que 8 tours que ça a commencé, donc vous verrez que les 40 premiers, enfin en général ouais, les 40 premiers tours sont vraiment très rapides, surtout que là en plus j'ai fait là, enfin, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû aller par là, c'est pas grave. Surtout que, il faut que j'achète cette case là, de toute urgence, combien? 30? Ok. Pas être facile d'arriver à 30. On découvre. On va faire encore des guerriers. Attends, suivant. Attaquer la Mecque. Faut faire attention. Il faut vraiment bien avoir beaucoup. Enfin, faut vraiment avoir beaucoup de troupes. Parce que ça permettra ainsi de. Comment dire? De pouvoir. Enfin, le risque, c'est que tout le monde nous déclare la guerre après. Voilà, c'est un problème. Surtout que l'IA avait été mise à jour. Donc ça fonctionnait plus. Quand j'avais fait des tests de parties comme ça marchait, mais maintenant ça marche plus trop. On nous déclare la guerre de partout. Vous voyez, ils nous ont piqué le cuivre, c'est pas grave. Hop, toi tu crèves. Là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à une suite. J'aimerais bien faire le tir à l'arc. Ouais, c'est bon. Ce sera vraiment une. Ah! Militaire. Une partie militaire. Qui aura pour objectif donc de conquérir la totalité des pays. Bon, je passe les messages des dirigeants parce qu'on les connaît. Si vous ne les connaissez pas, tant pis. Voilà, on a déclaré la guerre à l'autre comme ça on a des ouvriers. Faut pas négliger non plus les ouvriers. Tour suivant. Au revoir. Allez, souverain, vous allez me construire ici. Toi, tu vas aller par là. Hop. Ouais. Tiens, on va profiter pour. Voilà. Alors, on va faire des guerriers tout de suite. Hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Militaire, militaire. On déclare la guerre à tout le monde là. C'est industriel. Juste en profiter pour supprimer. Ça, c'est vraiment pour en fait faire une sélection naturelle dès le début, c'est-à-dire que voilà, on supprime les civilisations qui ont très peu de chances de fonder des villes, comme les Incas par exemple. Là, on va faire quoi? Ah oui, donc on faisait la statue de Zeus, donc c'est le travail du bronze, permettant ainsi de débloquer la Ikanda, je sais pas comment on dit. Faut que je fasse la paix avec les autres.
veulent pas trop. Salut à tous, c'est les Girac aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle série sur Civilization 5 Brave New World. C'est un petit peu, enfin je veux dire enfin cette nouvelle série, parce que j'ai eu tellement de problèmes. D'une part c'était un problème avec l'encodage, à un moment j'avais un problème, enfin ça faisait des pixels de pas, enfin ça pixelisait à certains moments. Donc j'ai dû supprimer cette série, enfin recommencer, et après quand j'ai recommencé, il y avait des problèmes de droits d'auteur avec les musiques. Et donc là peut-être que là vous entendez pas, enfin en tout cas c'est sûr que vous entendez pas, il n'y a pas de musique malheureusement, et je n'en mettrai pas non plus, parce que ça me fait du montage supplémentaire, et avec les vacances qui approchent et tout, j'ai pas vraiment le temps de faire de gros montages. Mais puis c'est compliqué aussi de trouver suffisamment de musique pour compléter toute une série complète, donc c'est sans que ce soit trop répétitif. Donc bon, et veuillez m'excuser pour cet aspect un peu sinistre, un peu vide. Mais écoute, on va faire avec. Bon, bref, nouvelle série sur Civilization 5 Brave New World. On va prendre une civilisation, donc on va prendre les Zoulous. Civilisation quand même axée sur le militaire, sur une map Afrique, ça va changer un petit peu, en duel, avec un niveau de difficulté prince, une vitesse de jeu, on va mettre en rapide. Et on va mettre en option avancée, on va rajouter un certain nombre de civilisations. Voilà, donc on a rajouté 21, enfin 20 supplémentaires plutôt, parce qu'il y en avait deux à la base. On va supprimer les cités-états, on désactive le vecteur temps, le vecteur culturel, si on va laisser le vecteur culturel. Et voilà, on va lancer la partie, donc ce sera une partie fuel militaire cette fois-ci. Votre peuple s'agenouille devant vous, Chaka Zulu, grand guerrier et fondateur du royaume Zulu. Condamné à l'exil suite à la répudiation de votre mère, vous vous êtes néanmoins imposé comme le chef véritable des Zoulous, créant de nouvelles lois et réformes culturelles pour asseoir la domination de votre royaume. Plus que tout, c'est votre incroyable aptitude pour le combat qui a forgé votre réputation. Fin stratège et chef charismatique, vous avez révolutionné l'art de la guerre à travers les plaines de l'Afrique australe. Fabuleux guerrier, les Zoulous veulent retrouver la force et l'unité qui ont marqué votre règne. Pourrez-vous rendre à votre royaume sa puissance passée? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc voilà un petit message traditionnel visant à nous mettre dans le vif du sujet. Voilà, donc Chaka Zulu, donc c'est le royaume Zulu qui permet donc, enfin qui bénéficie d'un coût de maintenance et d'une unité de combat rapprochée qui diminue de 50%. Et toutes les unités peuvent acquérir des promotions suivantes avec 25% d'expérience en moins. Donc on a donc de ce fait une armée moins chère et qui.